Salut les gars et bienvenue au Gym L'Apogée pour vous montrer un nouvel exercice. Enfin, je pense un nouvel exercice pour vous. Moi, avant de le connaître, je voyais très, très peu de personnes le faire. D'ailleurs, il est de plus en plus populaire, mais il y a environ 2-3 ans, je n'avais jamais vu personne le faire dans aucun gym. Donc, je vous montre ça aujourd'hui. J'espère que je vais vous apprendre de quoi. Donc, la raison pourquoi je vous montre ça, c'est qu'il y a eu une petite polémique aux États-Unis concernant le squat. Puis, je pense qu'il est toujours actif. Donc, il y a des entraîneurs qui disent « Fais du squat, fais du squat ». Et il y a d'autres entraîneurs qui disent « Non, le squat, c'est pas trop une bonne idée parce que l'élément limitatif au niveau du squat serait le bas du dos. » Donc, chez certaines personnes, particulièrement les personnes qui ont des difficultés avec leur flexibilité pour bien descendre bas au squat, on se rend compte qu'une fois que les gens cassent au squat, ils vont casser avec le bas du dos comme ça, ils cassent avec le dos et non pas avec leurs jambes. Donc, peut-être que ça vous rappelle une certaine expérience où ce que vous avez eu de la difficulté à remonter la barre au squat. Et là, vous êtes retrouvé dans la position, vous descendiez comme ça. Puis là, vous avez cassé comme ça avec le dos vers l'avant. Donc, ces entraîneurs-là disent que finalement, le squat serait un exercice un petit peu plus de bas de dos que de cuisses, même si on le sent très bien dans les cuisses. Mais une façon de pallier à ça, ce serait d'utiliser un nouvel exercice, de travailler ses jambes de façon unilatérale, ça veut dire une jambe à la fois. L'avantage de travailler une jambe à la fois, c'est que ça permet de se concentrer un petit peu plus sur une jambe à la fois. Et les entraîneurs prétendent qu'on peut soulever plus lourd au total si on combine le poids qu'on a utilisé pour une jambe, puis après ça le poids pour l'autre jambe. Au total, ça va créer un poids plus grand que si on avait fait du squat. Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc, le squat traditionnel ressemble à ça ici. Et à un moment donné, là, on va plier comme ça un petit peu vers l'avant si on descend trop bas ou si on casse parce que le poids est trop pesant. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser un banc en arrière et pouvoir mettre le bout du pied sur le banc comme ceci. Et on va descendre jusqu'à temps d'avoir le genou au sol. Donc, peut-être que vous ne voyez pas, mais mon amplitude de mouvement est encore plus grande que quand je descendais tantôt pour le squat. Et si vous regardez mon dos, ça me permet de garder un dos là, pleinement droit pendant tout le mouvement. Donc, mon dos ne vient pas dans l'équation du mouvement. C'est seulement ma jambe qui travaille durant le mouvement. Donc, je vous recommande d'essayer ça au gym. La première fois que vous faites ça, vous pouvez utiliser des poids libres. Comme ça, c'est moins dangereux. Si vous le faites dans une cage à squat comme ça et que vous voulez mettre pesant sur vos épaules, je vous recommande fortement de mettre des barres de sécurité puisque ça prend 2 ou 3 séances pour acquérir l'équilibre idéal pour l'exercice. À bientôt tout le monde!